pour terminer, de l'équivalent du ministre de l'Environnement de la Californie. Ils vont abriter l'année prochaine un grand événement sur climate change ou les acteurs non étatiques, d'une manière générale. Je tiens à les saluer parce que la Californie a été l'État qui s'est exprimé avec force après l'annonce du président Trump par rapport à l'engagement en faveur du climat. Je tiens à leur rendre un grand hommage, comme je rends hommage aux plus de 300 grandes villes américaines qui se sont exprimées avec force, aux plus de milliers de grandes entreprises américaines qui se sont mobilisées en faveur de la dynamique climatique et en faveur de l'accord de Paris. Je tiens à leur rendre hommage parce que c'est la démonstration de l'importance du rôle des acteurs non étatiques, des territoires, pour aller même au contresens des décisions politiques qui peuvent être erronées à des moments sensibles et importants comme ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, merci encore une fois.